Okay. Capati. Repartir à Dodé, il est 15h, la mise en route des moteurs, et nous allons repartir par ici et remonter ou descendre plutôt la côte vers le sud. Ici, a priori, pas de vent, mais ce matin, pas de vent. Et puis 35 nœuds là, 15h13, vous pouvez décrocher. Au revoir, des haies. On fait gaffe au casier, il y en a plein ici. Temps superbe. Alors c'est plus tout à fait la même ambiance par rapport à ce matin. Là il y avait un vent ce matin, punaise, c'est fou hein. Donc nous allons un petit peu au large, pas trop loin, parce que comme le vent vient d'est, je voudrais pas aller trop à l'ouest. On va aller chercher, on va voir ce qu'il y a comme vent. A priori on va sortir toute la toile. On sortira génois tout sur, on va tout sortir sur tribord, donc on va être bâbord à mur. Voilà. Donc, procédure, tout est prêt, tous les bouts sont à poste, prêts à fonctionner. Un petit peu de houle qui vient 50 cm bâbord, et bravo, c'est dans la boîte. Il y en a un qui essaye de faire avancer le bateau avec son propre vent. Ah non, non, non. Alors là, je suis absolument incapable de dire qui c'est qui a lâché. Il a les jetons. Non, non, parce que. Il a les jetons. Pas du tout, au bruit, je suis incapable de reconnaître. Ouais, je pense pas moi. Je suis plus au décu. Bon, bah oui, on avance à la voile. Hein. Bon bah toi oui tu discutes, bon non non c'est pas moi, non non c'est pas moi. Oui. Voilà. Ah les salauds. Bon enfin bref, petite anecdote. À couper. À ne surtout pas couper au montage. Allez, on va se mettre bout au vent, on va aller voir ce que ça donne. C'est parti, en manuel, on y va. Attends, on va se mettre bout au vent déjà, la voile n'est pas sortie. Ça vient tout doux. À travers, on va avoir un vent de 11 nœuds à peu près. On va avoir un vent de 12 nœuds. Grosso modo, pas de casier dans le... Pas de casier en vue. Ok. On est à 45 du vent là pour l'instant, je continue. Je regarde le drapeau. Voilà, donc. Ouais. Hop, barre à zéro. On met le pilote auto. Et on va hisser. Oui. Tu te débrouilles l'autre, c'est bon. Non, faut que tu tires là. Faut que tu tires. Hein. Enfin voyons, on hisse. Hop.
Allez, on tend ça. Faut pas qu'il y ait de pli entre les... Bah voilà, c'est bon. Les réglages de voile sont faits. Non, non, pour l'instant, je lâche pas d'écoute. Ça rentre bien dedans, là. Là, on fait des pointes à 7 nœuds, là. Le bateau, il s'est mis à accélérer, là, tout d'un coup, là. Là, on arrive dans un moment de calme. Et ça va reprendre et ça va ressouffler. C'est très bizarre l'aérologie derrière la montagne. Le vent tourne un petit peu et il monte en force brutalement. On les voit arriver les rissés. Là à 1000, 2000 devant nous, il y a l'air d'y avoir du vent. Parce qu'on a quelques moutons qui sont à l'horizon là-bas. On verra bien. S'il faut se remettre un riz dans la grande voile, et bien on avisera le moment venu. Pour l'instant, il n'y a pas de nécessité. Petite risée qui arrive, ça va revivre. Alors, si elle change de cap un petit peu, ben, je sais pas, on verra. Pas terrible, hein. On va voir ce que ça fait. Ouais, ça elle a pris 30 degrés. Laisse, Will. Voilà. Je vais faire différemment. Je vais prendre un petit peu de cap par là. Je vais corriger au cap. Je fais rien. Je vais corriger au cap parce que sinon on n'a pas fini. Hein. Alors ouais, reprends là. Remets tes penons droits parce qu'on est passé du coup en secteur avant, le vent. Donc on passe de travers, arrière, avant. On varie entre les deux allures. Voilà, c'est reparti mon kiki, c'est à la vibre. On sent, il revit. En travers. C'est de remonter un peu plus le vent. Un petit peu de houle là. Il y a un mètre, même pas. Comment ça... Là-bas, on la voit arriver, on le voit arriver le vent. Hein. Là, on est, tu vois, on est abrité par cette montagne-là, à mon avis. Et puis là, il y a un creux. Puis là-bas, ouais, là-bas, il y a... y a une vallée. Là-bas, je pense que derrière, ça va fuser. D'ailleurs, on s'en approche de plus en plus. Hein. À tout de suite. Bon, ça y est, la risée commence à... Putain, celle-là, elle est prête quand même. Hein. Ça y est, la risée monte. Ça y est, ça monte. Voilà comment ça va faire. Voilà, le bateau, il accélère, on le sent. On est 90 là, durant. Ah ouais. Allez, je remets à l'auto sur ce cap là, ça me plaît bien. Ah, on vient d'avoir une petite poussée à 21 nœuds là, accélération du bateau. Ça va, ça vient, dans 2 minutes on n'a plus rien.
là, 21 nœuds tout d'un coup. Là, ça redescend à 15. Bon, on avance. Et on avance à quelle vitesse? Bon, on a dû ralentir un petit peu. On retombe à en dessous de 5. Et ben voilà, plus rien. Tout d'un coup, plus rien. Presque plus rien. Il y a juste d'avoir une petite accélération encore à 21 nœuds là. Tendu. Chez moi. On l'entend simplement. Nos voiles sont bien gonflées. Alors là, je vous garantir, on prend un pied fabuleux. Retombe à 20 nœuds. Mais bon, quand ça monte comme ça, on se pose des questions. Qui enfourne un petit peu à l'avant sur une vague un petit peu plus haute comme là par exemple, voilà. Mais ça va, plutôt tranquille dans l'esprit, toutes les voiles sont sorties, on est à la limite des capacités de voile là, il faudrait pas que ça monte plus pour assurer la sécurité du bateau. Comme c'est des rafales, et ben, on contrôle mal la puissance du vent qui peut tomber de 10 nœuds et qui peut, à 10 nœuds et remonter à 25 nœuds en très très peu de temps. Voilà, une belle vague. Opération affalage à grand voile. Allez, vas-y, lâche tout. Ça va bien, ça va bien. J'en reprends. Ça se démerde pas mal, hein, la moute. Hein. Regardez-moi ça. Bye bye. Fais attention à la tortue. Ouais. Bon, bah ça, c'est tous les rushs que je vous réserve. Dans quelques petits films, il y a du boulot. Il faudra comprendre que je vais pas pouvoir faire tout ça en un jour. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Voilà, tous les jours sont là. Et ça cause, hein? Tout le bonheur du monde, que quelqu'un vous tende la main.
vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil.